Il était une fois un petit village avec ses habitants bien tranquilles. Un petit village avec ses paysans, son garagiste, son épicier. Parce qu'il se passe jamais rien ici. Son adjoint au maire. Oui, la campagne, on s'emmerde ferme, faut bien le lire. Et son instituteur. Mon grand-père, buvez, mon père, buvez, tu l'as bien connu, toi, et moi-même. Et n'oublions pas le château et sa comtesse. La comtesse, j'emmerde. Elle a même viré les Allemands pendant la guerre. Bref, un petit village bien tranquille. Ah, merde, tu sens? Il se passe trop de choses, je voudrais rentrer. Il était une fois un groupe de hippies vivant dans l'amour de la paix et de son prochain. Et si je foutais mon poing sur votre gueule? Et rien, croyez-moi, ne devait jamais réunir ces deux communautés. Rien, si ce n'est l'imagination des auteurs, de... Et alors? Comment? Des hippies sur mon champ? Il faudrait vous voir. Ils sont capables de tout. Et si planter du hashish dans votre champ? Quoi? Du hashish. Ils s'installent dans un champ et ils font leur petit carré de hashish. On lit ça tous les jours dans les journaux. Ça rapporte le hashish? 50 prisons minimum. En tout cas, pas de hippies sur le territoire de la commune. Ce n'est pas Katmandou ici. Si on reste, ça va rappliquer. Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-leur merde. Par rapport au crime? Au crime? Quel crime? Oui, j'ai commencé l'audition des témoins. J'ai une belle brochette de ploucs dans l'arrière-salle. Oui, ben moi, je prêterai pas mon tracteur. Voilà, un tracteur, c'est personnel. Je veux pas qu'on lui fasse du mal à ce tracteur. Mais un tracteur, c'est comme une brosse à dents, c'est personnel. Elle tient pas la route, ta brosse à dents. On vous garantit maintenant que vous allez avoir une paix, mais alors là, une paix royale. C'est honnête anonyme, ça. Les honnêtes gens se défendent avec des moyens d'honnêtes gens.